Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci de mon city trip que j'ai fait avec mon copain à Porto. Alors pour vous remettre un peu en contexte, je vous avais dit que cette année on fêtait pas la Saint-Valentin avec mon copain le jour de la Saint-Valentin, mais que du coup on partait en city trip à Porto, au Portugal. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait. Je vais vous mettre à chaque fois des petites photos de ce qu'on a vu, etc. Et bien sûr, on va voir ensemble comment j'ai fait pour gérer au mieux mon budget pendant tout ce city trip. Alors, tout d'abord, donc nous sommes partis de l'aéroport de Bordeaux. On a eu notre vol à 6h du matin le samedi. Voilà, on n'a pas pu poser de jour, donc on a dit vraiment on part juste en week-end. Donc voilà, levé 4h45, arrivé à l'aéroport à 5h15, le vol. Alors pour aller au Portugal actuellement avec le Covid, nous on n'avait pas besoin de faire un test. On est tous les deux vaccinés, on a le pass vaccinal. Donc on a juste montré nos passes et il fallait remplir aussi le c'est un document, le PFL il me semble, c'est pour dire où est-ce qu'on va au niveau du Portugal, et c'est quelque chose qu'il faut absolument remplir parce que si vous vous baladez dans les rues là-bas, les autorités portugaises peuvent vous le demander. Donc voilà, vol à 6h, on est arrivé à 6h40 à Porto parce qu'il y a une heure de décalage horaire avec du coup l'heure de nuit française. Une fois arrivé à l'aéroport, c'est vraiment hyper simple ensuite pour se rendre au centre-ville. Il y a juste à prendre le métro, donc c'est la ligne E et ça dure à peu près 25 minutes. Franchement, c'est super bien desservi, c'est hyper pratique, le métro est super propre, donc voilà, top. Ensuite, commence la partie un petit peu visite. Alors, si je peux vous conseiller quelque chose, il faut que je la retrouve, c'est ça, c'est la PortoCard. La PortoCard, en fait, elle vous donne accès à plein de monuments et sinon plein de tarifs réduits sur plein d'entrées. Et nous, on a pris la PortoCard avec les transports en illimité. On en a eu pour 2 jours pour 20 euros par personne. Je vous la recommande. Nous, on l'avait commandé depuis Internet. Et en fait, on l'a retiré dans une office du tourisme une fois arrivé à Porto. Donc, voilà. Donc, cette PortoCard, ok. Ensuite, une fois qu'on a pris le métro, alors, je vais vous montrer sur la carte. On arrive ici, à Trindade. Trindade, je sais pas comment on le dit avec l'accent portugais, mais en fait c'est hyper pratique parce qu'après ça dessert toutes les autres lignes de métro, donc c'est vraiment top. Et de là, nous avons décidé de descendre ici tout le long. On est passé par la mairie et ensuite on a descendu toute cette avenue. Et franchement, on était à peine arrivé, il faisait pas très très beau, qu'on était déjà dépaysé. Vous le verrez sur les photos et les vidéos, c'est vraiment splendide. Toutes les rues là-bas sont pavées, enfin c'est vraiment magnifique, je recommande à tout le monde. Voilà, vous descendez du métro, hop, et là de suite vous faites cette allée, c'est incroyable. Voilà, ensuite, après cette grande avenue, nous sommes donc arrivés ici, à la gare de São Bento. La gare, c'est une œuvre d'art. Franchement, elle est magnifique, il y a de la mosaïque de partout. Voilà, même si vous ne prenez pas le train, visitez la gare, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je vous recommande à 10 000%, elle est magnifique. Nous sommes arrivés tôt le matin, donc du coup, nous avons décidé de prendre un petit déjeuner. Je vous mettrai encore une fois des photos. Alors, pour parler du petit déjeuner, que dire, mis à part que c'est un attrape-touriste. On était à côté de la gare, il fallait s'en douter. Le lieu était très sympa, etc. Mais vraiment, attrape-touriste. Mon copain a pris un jus d'orange qui a coûté 3,50 € le jus d'orange. Et il n'était pas pressé, c'est pas possible, c'est vraiment, il n'était pas bon, etc. Donc
Je ne sais pas où vous conseillez pour aller prendre un bon petit déjeuner dans Porto si vous arrivez comme nous très très tôt, mais n'allez pas là. Enfin, je ne recommande pas. Et alors, il faut savoir, on s'est fait avoir, on a vu croissant. On a dit, ben super, on va prendre des croissants comme en France, etc. Sauf que non. Au Portugal, les croissants, ce sont des croissants, mais briochés. C'est pas de la pâte feuilletée. Donc voilà, si vous prenez des croissants, ne vous faites pas avoir comme nous. Attendez-vous bien à avoir des croissants briochés et non pas avec de la pâte feuilletée. Ok, ensuite, donc on a pris notre petit déjeuner et ensuite on a été à notre guest house. Alors, notre guest house, vous voyez en rouge, c'est tout le quartier ben voilà, le plus animé avec le plus de monuments. Et nous, nous étions situés ici, rue Bellomonte. Donc voilà, on était... En fait, on a pris cette guest house principalement pour la localisation. Voilà. Et en arrivant, je vais vous en parler un petit peu plus maintenant, on a eu la très très bonne surprise de voir que c'était incroyable. La décoration incroyable. L'hôte nous a dit pas de souci, vous pouvez arriver dès 9h du matin alors que normalement la chambre était prévue pour 15h. Mais elle nous a dit bah, pas de souci. On est arrivé, comme vous pouvez le voir, elle nous a offert une boisson chaude ainsi que des fruits frais. Enfin voilà, vraiment incroyable. On n'a pas payé de supplément, c'était compris dans le tarif. Et donc pour la nuit, on en a eu pour 85€ pour tous les deux, avec le petit déjeuner compris et quelques affaires de toilette. Donc voilà, je vous mets ici la vidéo de la chambre et quelques photos. C'était très joli, c'était très épuré. On avait une vue sur Porto qui était magnifique. C'était vraiment dommage qu'il fasse pas beau ce jour-là. Voilà, que dire de plus, mis à part que je recommande encore et encore cette guest house parce que vraiment ça vaut le coup. Et au niveau de son emplacement, vous allez voir qu'elle est placée parfaitement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, elle nous a coûté 85€. On est passé par Booking. Et puis voilà. Donc une fois arrivé dans notre guest house, on a vu, donc c'est pour ça qu'il y a des petites annotations partout, en fait elle nous a expliqué comment se rendre là où on voulait aller, elle nous a demandé notre programme entre guillemets, et ensuite elle nous a montré où étaient situés les lieux les plus à voir, dans quel sens elle nous conseillait de le faire, etc. Donc elle a vraiment pris le temps de tout bien nous expliquer, adorable. Donc, nous, on a décidé, le samedi, il faisait beau, le dimanche, il pleuvait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le nez complètement bouché, parce qu'on s'est pris une belle, belle averse le dimanche. C'était terrible. Enfin, bref. Donc, le samedi, on avait décidé de se rendre à l'océan pour profiter du soleil. Et donc, on est parti, en fait, de notre guest house. Et on savait qu'on devait se rendre le long ici du Douro, c'est le fleuve de la ville, pour ensuite, hop, comme vous pouvez le voir ici, prendre un bus, en fait, la ligne bleue, là, le bus 500, qui nous amène directement à l'océan. Donc, hyper pratique. Alors, pour vous montrer, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, oups, on s'est baladé dans la ville, voilà, et ensuite, on s'est rendu au niveau de la cathédrale pour ensuite redescendre sur les quais dans le quartier Ribera. Alors, je vais vous mettre des photos, etc. Franchement, je vous conseille d'aller à l'océan les jours où il fait beau et de un petit peu vous balader dans la ville les jours où il fait beau. Mais surtout, je vous conseille de vous perdre dans la ville. Se perdre dans la ville, c'est juste incroyable. Il y a une ambiance qui est tellement différente en fait. C'est là où on se sent vraiment à l'étranger, c'est là où on se sent vraiment dépaysé. Et en plus, le quartier est très très coloré. Il y a de tout. C'est relativement propre. C'est vrai que cet été, on était parti en Croatie, c'était un petit peu moins propre au niveau des rues. Mais là, c'était relativement propre. Enfin voilà, je vous conseille. Voilà, on s'est rendu dans ce quartier ici et ensuite en redescendant, on a visité un musée qu'on avait gratuit du coup avec la Portocard
qui était la Casa Guerra Junquero. Alors, si vous n'avez pas la porte aux cartes, personnellement, je trouve pas que ça vaille forcément la peine. Maintenant, vu que vous avez la porte aux cartes, eh bien, tant qu'à faire, autant visiter, autant voir de belles choses. Je continue à vous mettre voilà, des petites photos pour vous illustrer tout ce que je dis. Voilà. Ensuite, donc, nous sommes redescendus. On est passé par toutes les petites ruelles. Et là, bam, on tombe sur le fleuve. C'est vraiment très joli. Il y a des terrasses partout, là, le long. C'est animé, il y a du monde. C'est vraiment très, très, très sympa. Ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de prendre de suite le bus, on en a vraiment profité. On s'est baladé, baladé, baladé. Et ensuite, on a pris le bus, hop, le 500, comme je vous remontre ici, pour aller au niveau de l'océan. Et au niveau de l'océan, on est descendu ici, au niveau du coin, parce qu'en fait, il y a deux petits phares à voir. Je continue de vous mettre les photos. Ils sont très sympas. C'est vraiment l'ambiance vacances. On se balade, on marche, on flâne. C'était de ça aussi dont on avait envie. C'était un petit peu un week-end voilà, à deux, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu comme ça. On s'est baladé, on a flâné, on a vécu, je dirais pas la Dolce Vita, vu qu'on était au Portugal, mais voilà, on a vécu une vie très tranquille, avec beaucoup de nature. Enfin, j'ai vraiment adoré cette partie-là. Du coup, tant qu'à faire, on en a profité pour manger au niveau de l'océan. Donc, on a mangé dans une pizzeria. Il y avait un bar de plage. Mais bon, on avait dit pas trop de budget. Donc, on a été au plus économe. Alors, je dirais pas que c'était les meilleures pizzas de ma vie. Je dirais pas que c'était les pires. Je dirais, ça passe. Voilà, j'ai pas trop d'autres commentaires à faire sur les pizzas. Donc voilà. Ensuite, on est remonté. Hop, donc on a fait vraiment toute la jetée. Comme vous pouvez voir au niveau de la jetée, c'est très très beau. C'est très bien entretenu. Les petits parcs sont absolument magnifiques. C'est hyper dépaysant. On vit à côté de Bordeaux. On vit à côté de l'océan aussi, mais c'est différent. C'était calme, apaisant, j'ai adoré. Vraiment, j'ai pas d'autres mots mis à part que j'ai adoré. Tout au bout de la jetée, il y avait un petit fort qu'on a décidé de visiter. Alors c'était un petit fort, l'entrée était payante parce qu'il y avait une exposition d'anciens combattants. Alors, l'entrée payante, c'était 50 centimes. Donc, qu'on se le dise, c'était vraiment pas cher. Voilà, il y avait des armes à l'intérieur. Alors, c'est pas trop, moi, ma tasse de thé, mais ça l'était pour mon copain. Donc, voilà, il en a pris plein les yeux. Il était très content. Et moi, pendant ce temps-là, je suis montée sur le fort et j'ai pu voir les surfeurs. Ici, là, c'est toute une zone de surf. Donc j'ai pu voir les surfeurs, il n'y avait pas de très très grosses vagues, donc il n'y avait pas de choses impressionnantes, mais c'était toujours sympa. Ensuite, on ne le voit pas ici, il y a l'aquarium de Porto qui est situé juste ici. Alors c'est mon copain qui a absolument voulu qu'on aille visiter l'aquarium, il adore les poissons, ne me demandez pas pourquoi, mais il adore les poissons. Il y avait des pingouins, donc on a aussi été voir les pingouins. Alors, les pingouins, je vais pas vous mentir, ça fait beaucoup de peine. C'était vraiment tout petit leur enclos, mais vraiment tout petit. Autant les poissons, il y en a certains qui avaient des grands aquariums. Il y avait des belles espèces, il y avait de la place, mais autant les pingouins, c'était minuscule et ça a fait beaucoup de peine. Ensuite, pour la suite de notre séjour, on a repris le bus 500. On est retourné à Ribeira, dans le quartier donc, qui est situé juste ici. Hop. Et on a été faire les vrais touristes et voir la chose la plus jolie de Porto, je trouve, le coucher de soleil au niveau du Ponte Luís. Donc en fait, on est arrivé, hop, on a marché, on a tout longé. Et là, le Ponte Luís, donc c'est un pont où dessus, il y a une rame de métro qui est dans des trottoirs.
pour que les piétons puissent passer. Et en dessous, vous avez aussi un accès pour les piétons. Cependant, la vue, clairement, est à voir tout en haut du pont de Téluis. Donc en fait, vous prenez des escaliers, ça monte, ça monte, ça monte, c'est terrible. Ensuite, vous marchez tout le long. J'ai le vertige, donc c'était très très compliqué pour moi, je ne vais pas vous mentir. Mais une fois arrivé ici, il y avait une ambiance incroyable dans les jardins là. Il y avait quelqu'un qui jouait des petits airs de guitare. Enfin, c'était vraiment magique. Voilà. Vraiment un super moment que je suis très contente d'avoir pu vivre. Ensuite, on est redescendu, on est retourné au bord du Douro pour ensuite retourner à notre guest house. Et là, on n'y a pas échappé, on a pris des pastéis de nata. Alors, les pastéis de nata, je suis désolée, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. J'avais envie de goûter, hein. Je m'étais dit, allez, ça, enfin, c'est la spécialité, il faut goûter. J'ai pas aimé. Voilà. On est retourné à la guest house, on a pris nos douches. À l'intérieur, il y avait de quoi se faire des boissons chaudes. Donc, on a pris des boissons chaudes. Et ensuite, on a cherché un restaurant pour dîner le soir. Problème, tous les restaurants étaient complets. Si vous voulez manger à Porto un samedi soir, réservez. Ici, en fait, c'est toute une rue piétonne où tout le long, il n'y a que des restaurants. On est monté jusqu'en haut. Impossible de trouver un restaurant qui avait une place. Il était 21h. Voilà. Du coup, on s'est dit, on va peut-être en trouver le long du Douro. On est redescendu et au final, dans cette petite rue-là, on a trouvé un restaurant. Le problème, c'est qu'on a compris pourquoi on a trouvé de la place. Franchement, c'était pas incroyable et je trouve que ça ne valait pas le prix. Donc voilà. Mon copain a pris la spécialité de Porto, la francesina. Il a pas du tout aimé. Il a trouvé ça très 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 gras. Il a été brassé toute la soirée. Enfin voilà. Ensuite, après notre restaurant, on s'est rendu en direction des bars qui sont situés par ici. Sa montée pour y aller, c'était un enfer. Mais bon, on avait envie de voir un petit peu la nuit à Porto. On est quand même jeune, on a envie de voir tout ce qui se passe. Ici, si vous êtes adepte de bars et de boîtes de nuit, vous allez trouver votre bonheur. Nous, on a été dans un bar où il y avait à l'entrée des cocktails, des mojitos à 4,50€. On y a été assez tôt, du coup, on n'a pas payé l'entrée. Parce qu'en fait, là-bas, ils ont du mal à faire la distinction entre un bar et une boîte. Souvent, les bars, après une certaine heure, deviennent une boîte de nuit. Nous, on n'a pas payé, sinon l'entrée à la boîte de nuit, c'était 5€. Alors, les bars à Porto, qu'est-ce que c'est? C'est des bars où il est autorisé de fumer à l'intérieur. Donc voilà, ça vous dit déjà au niveau de l'ambiance. La musique est très bien, c'est des musiques... latino, enfin c'est vraiment très sympa, mais voilà, on peut fumer à l'intérieur, c'est très bien d'aérer, mais on peut fumer à l'intérieur. On est rentré, on a dormi, on a très très bien dormi, on s'est un petit peu fait réveiller par les mouettes, mais bon, on a quand même très bien dormi. Ensuite, on a été prendre notre petit déjeuner, donc c'était un super petit déj, bien complet, il n'y en avait pas trop. Si vous êtes des gros gros mangeurs, des adeptes, des buffets à volonté, je suis pas sûre que ça vous plaise. Mais par contre, c'était vraiment très qualitatif. Des fruits frais. Voilà. C'était un très très bon petit déj, mais c'était pas incroyablement copieux, on va dire. De là, notre guest house nous a proposé de laisser nos affaires à la guest house et ensuite de revenir si on voulait en fin de journée récupérer nos affaires. Sauf que non, on a dit qu'on allait prendre nos affaires, donc on avait des sacs à dos pour faire tout le reste de la journée du dimanche. Et là, quand on est sorti de la guest house, il s'est mis à pleuvoir, il y avait du vent, c'était un enfer, d'où on est bouché encore une fois. Vraiment, Porto, quand il pleut et quand il y a du vent, c'est quelque chose. On avait un super bon parapluie de super bonne qualité, il n'a pas arrêté de se retourner. C'était terrible. Enfin, on a du coup suivi l'itinéraire
que nous avait conseillé notre guest house pour le dimanche et on a été à la Tour des Clercs. La Tour des Clercs, comme vous pouvez voir, c'est un magnifique point de vue sur tout Porto. Voilà, l'entrée est payante, mais avec la Porto Card, on a une réduction sur son entrée. Donc, voilà. Ensuite, on a voulu aller à la librairie Teio. C'est une librairie où en fait, qui a inspiré J.K. Rowling pour Harry Potter. On est arrivé devant, impossible à visiter. Il y avait une queue d'au moins 45 minutes alors qu'il pleuvait, qu'il ventait. Donc non, on a tout simplement décidé de ne pas entrer dedans. On est ensuite parti par ici. On est repassé au niveau de la gare. Et on a été rue Sainte-Catherine. Alors c'est rigolo parce que la rue du Shopping à Bordeaux, c'est aussi la rue Sainte-Catherine. Et à Porto, ça s'appelle la rue Sainte-Catherine aussi. Donc vous trouverez tous les magasins ouverts. On était un dimanche, tout était ouvert. On a pu voir cette église. Alors cette église est fermée. On n'a pas regardé au niveau de l'histoire. C'est vrai qu'on voulait regarder, mais on n'a pas encore regardé. Mais encore une fois, la mosaïque, magnifique. Enfin, voilà. On a ensuite été au niveau du centre commercial, qui est ici, où on a mangé des burgers à l'intérieur. En fait, c'était hyper sympa. Je ne sais pas si vous connaissez à Londres, mais il y a un petit peu le même principe. C'est qu'il y a plein de shops partout où on peut acheter à manger et ensuite plein de tables et comme ça on se retrouve et par exemple si on a un groupe d'amis, s'il y en a qui veulent manger des pizzas, s'il y en a qui veulent manger des spécialités portugaises, des burgers, tout le monde prend ce qu'il veut et ensuite on peut se retrouver pour manger ensemble sur la table. Donc vraiment très très sympa. Voilà, ensuite on a pris le métro, hop, on est passé par Trindade et ensuite on a pris le métro D pour arriver de l'autre côté. Pourquoi on a été de ce côté là? Parce qu'ici c'est le coin des caves. Il n'y a que des caves de Porto. On n'en a pas visité. Pourquoi? Parce qu'avec le mauvais temps, toutes les visites étaient super tard et on avait notre vol de retour, donc on n'a malheureusement pas pu visiter. On a ensuite remonté tout ça à pied pour récupérer le métro et pour ensuite aller direction l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait tellement que franchement, on n'en pouvait plus de la pluie. Malgré tout, avant de rentrer, on a été visiter la cathédrale de Porto. Je vais vous mettre plusieurs images. Franchement, la cathédrale, magnifique. Il faisait pas beau. Et pourtant, elle était absolument magnifique. Donc, je vous recommande vraiment de la visiter. L'entrée est payante, mais avec la Porto Card, encore une fois, c'est à tarif réduit. C'était 2 € par personne, mais vraiment, ça valait le coup encore et encore. C'était un super moment. Que dire de plus qu'ensuite, on a été à l'aéroport, qu'on était plutôt fatigué, tout mouillé. Et ensuite, on a pris notre vol retour. On est parti à 19h15 de Porto pour une arrivée à 21h55 à Bordeaux. Donc voilà, ça nous a fait un bon week-end. C'était un bon city trip. Je vous recommande fortement d'aller dans cette ville. Et voilà, que dire de plus que c'était un super week-end. Et maintenant, on va voir ensemble le point pour voir si le budget a été respecté et combien tout ça nous a coûté. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir combien tout ça nous a coûté. Et donc comme vous pouvez le voir, ça nous a coûté 218,7 € par personne, absolument tout compris. Alors, on en a eu pour 80 € de billets d'avion, on en a eu pour 20 € par personne de la Porto Card. On en a eu pour 4 € par personne du petit déjeuner à la gare, 42,50 € par personne pour la guest house, le musée Junquero gratuit, les balades gratuites, le bus du coup que l'on n'a pas payé, les pizzas 12,50 €, l'aquarium 10 €, les pastéis de nata 1,20 € le pastéis,
le restaurant, c'est pour ça que je vous disais, on était des... Enfin, voilà, c'était pas fou. 21 euros par personne, ils nous ont fait payer. En fait, ils y sont arrivés, ils nous ont offert, entre guillemets, un apéritif qui, en fait, n'était pas offert. Donc voilà, et on a payé les frais de couvert. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très cher par rapport à la qualité de ce qu'on a mangé. Dans les bars-boîtes, on en a eu pour 15 euros. Bon, en soi, on en a sûrement eu pour un petit peu moins, mais bon, on va dire 15 euros. Le burger, 10,50 euros par personne et la visite de la cathédrale, 2 euros. Donc j'avais prévu un budget de 150 euros. Que du coup j'ai dépassé. Sauf que pour moi, tout ce qui est restaurant, 21 plus 10,5 plus 12,50 euros, ce qui nous fait 44 euros, ça pour moi, ça part dans mon budget course. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu à faire mes courses pendant que j'étais à Porto. Donc, je le compte à l'intérieur. Et ensuite, tout le reste, donc il me reste 218 moins 194, 24 euros, 7. J'ai décidé de l'enlever de mon enveloppe d'hiver. Donc, en fait, je suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite parce qu'on a fait un week-end où vraiment on ne s'est pas privé. On n'a pas regardé les restaurants pour aller au moins cher et on a passé un super week-end. On a profité et je reste cohérente avec ce que j'avais prévu au niveau de mes budgets. Pour rappel, j'avais un budget course à 250 euros et j'avais un budget divers santé à 80 euros. Donc voilà, j'ai pu profiter tout en gardant un budget qui était plutôt très correct. Donc je suis très contente. Si vous avez des questions sur la ville, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez des photos, si vous voulez d'autres conseils, je suis tout oui pour tout vous raconter. Et on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Je ne vous donne pas le thème, ça sera surprise. Bonne journée, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me donner un petit peu de force. En tout cas, c'est absolument incroyable. Merci pour tous vos retours et bonne journée à tout le monde. Au revoir.